I have 4 days. We started. Nous avons 4 jours. Tu m'as dit l'élo. Lobby. Friday. Vendredi. And Sunday we finish. Et dimanche nous sommes ici. And I believe. Before Sunday, avant dimanche, somebody's life will never be the same. I know my God. And I know the God that this man that I'm going to give the microphone serves. Hallelujah. Church, you know it, I can't bring anybody here. Before I bring somebody here, I must know him. Il faut la yeba I must know which God. Il faut la yeba nsambe nini ye asa. And I must know his way. Il faut la yeba musala na yeza. Amen. So I'm bringing to you a qualified man of God. Na memeli yo na poko la lo mutu nsambe o asa qualifié. Amen. Who has experience in the work of God? And his work has been seen and proven. And I believe that he's a blessing to my life. He is married. Introduce himself very well. Amen. Amen. Let's all of us welcome Pastor Budu. Est-ce que tu peux me faire grâce? Can you do me a favor? Tu prends ta Bible. You take your Bible. Tu la serres dans ton cœur. Tu put it in your heart. Partout dans Dieu. Wherever you are, Dieu va nous faire du bien. God will do us good. Dieu va nous visiter d'une manière surnaturelle. God will visit us supernaturally. Je passais toute la nuit d'aujourd'hui. I spend all night dans sa présence. Through his presence. Et je crois fermement. And I believe strongly. Seigneur, l'œil n'a jamais vu. What I've seen. L'oreille n'a jamais entendu. And we didn't hear. Alléluia. Ouvre ta tête à la forever God. Saint-Esprit. Holy Spirit. Nous avons besoin de toi. We need you. C'est toi le détenteur de la puissance. You are the detenteur of the power. Nous croyons qu'il y a des puissances des ténèbres qui seront avalées par we ta puissance. Je vais vous proposer dans l'évangile de Marc, le chapitre 3. I'm going to propose you the book of Mark. Marc 3, le verset 27. Et puis tu vas juste mettre aussi ta main dans Luc 11, le verset 21 à 22. And Luke chapter 11, from verse 21 and 22. Il nous donne le mystère du royaume. Jesus gives us the mystery of the kingdom. Il nous donne la révélation de la force. He's busy giving us the revelation of the strong. Jésus dit que quelqu'un ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort sans au préalable lier l'homme fort, dompter, vaincre l'homme fort. Et dans le Luc 11, la Bible dit, la personne qui peut lier, vaincre et récupérer les biens, il doit être plus fort que l'enfant. Jesus said, you cannot enter to somebody's house before you bind him. And the Bible said, and Luke said, before you bind the person, you must be stronger than him. Il y a quatre choses importantes que Jésus a parlé. There are four important things Jesus spoke. La première chose, the first one, Jésus reconnaît cet homme comme un homme fort. Jesus acknowledged this man as a strong man. Quand Jésus reconnaît que cet homme c'est un homme fort, when Jesus, nous les chrétiens, on n'a pas de choix que d'accepter que cet homme c'est un homme fort. When Jesus acknowledged this person is a strong man, we don't have any choice to accept that. Ce que Jésus disait, c'est what Jesus said was this. Sur cette terre, over this earth, dans ce monde, under this earth, il y a des hommes forts. They are strong men. Il y a des hommes forts. They are strong men. Dominent, overruling, qui règnent. Right. À cause de la puissance qu'ils ont. Because of the power they have. La deuxième chose, the second thing, la Bible dit, the Bible says, cet homme fort n'habite pas le riz.
This strong man doesn't stay on the street. Il ne reste pas dans les heures. Not in the head. Il a une maison. He got a house. Cet homme est fort. And that strong man a une habitation. Has a place. Tu peux le localiser quelque part. You can locate him somewhere. Laisse-moi t'informer. Let me inform you. Cet homme est fort. This strong man. Il habite le corps des hommes. He stays into body somebody's cet body. Cet homme est fort. This strong man. Il habite le territoire humain. He stays into somebody's body. Cet homme est fort. This strong man. Règne dans le pays et le territoire. Reign to the countries and the territories. Et la troisième chose. And the third thing. Jésus dit ceci. Jesus said this. Que cet homme est fort. That this strong man a des biens. Has goods. Mais ces biens ici. But those goods. En fait, ils ne lui appartiennent pas. Actually, doesn't belong to him. Ce sont les biens. Those are goods. Il a reçu comme le butin de guerre. Have received. Il a reçu cela par force. He has received by force. Il a arraché cela par force. He has taken it by force. Et les biens qu'il a. And the goods he got. C'est rien d'autre. Is only. Que peut-être votre mariage. Maybe your marriage. Vos enfants. Your kids. Votre promotion. Your promotion. Vos bénédictions. Your blessing. À cause de sa force. Because of the strength. Cet homme fort. This strong man. Prend ses biens par force. Taking things by force. Aujourd'hui. Today, pendant ces deux jours, during this day, je me lève comme un ange du Seigneur. I'm standing as an angel of the Lord. Tu vas récupérer ce que l'ennemi a volé. You are going to take back what the enemy stole. Je dis toi, tu vas récupérer ce que you are going to take back what the enemy stole from you. The fourth one. La Bible dit il faut les lier. The Bible says you must bind him. Tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort. You cannot enter to a strong man's house without binding him first. You know when you enter to the house in somebody's house and to the gates, it's written beware of the door. Before you enter, the first thing you're going to scream, he said, please, can you take away the dog away from me? You cannot just enter in the house because there is a wicked dog. Before you enter, they must arrest you. The Bible says, in order for you to enter to the strong man's house, you must bind him first. And the Bible says, it's not anyone can bind him. To bind a strong man, a condition, you must be stronger than him. And then it's bring us over to him. You got a strong man, but to overcome him, il faut. He needed and now a man qui est plus fort que lui. Stronger than him. Je suis venu annoncer. I'm here to announce to somebody. Je ne prêche pas quelqu'un. I'm not preaching somebody. Mais je suis venu vous prêcher l'homme le plus fort. But I'm here to preach the strong man. Il y a un homme. There is a man qui est le plus fort. Which is a strong man. Tant que vous voyez par lui. As you're gonna know him. Vous allez sauter. You jump. Tant que vous voyez par lui. As you're gonna hear him. Vive lui pour chanter. Your life will change. Donne-moi une amen s'il vous plaît. Give me a good amen. Parler de l'homme le plus fort. Before I talk about that, the strong man. Permettez-moi de te donner trois quatre caractéristiques de l'homme fort. Allow me to give you four or three characteristics of the strong man. Qui est l'homme fort? Who is the strong man? Un homme fort. A strong man. C'est le pouvoir dominateur dans un milieu, dans le territoire, dans une famille. It's a power. Overruling a place or a family. Dans chaque famille, each and every family, il y a un esprit qui domine. There is a spirit dans overruling. Chaque territoire, each and every territory, il y a un esprit qui domine. There is a spirit dans overruling. Chaque milieu, each and every place, il y a un esprit qui règne. There is a spirit dans reign. Chaque ville, each and every city, il y a un problème qui domine. There is a problem overruling. Deuxième chose. Second thing. Qui est l'homme fort? Who is a strong man? C'est le pouvoir ancestral. Is a ancestral power. De la servitude de famille. Of slavery of from family. Il y a des familles, there are families qui sont sous l'influence de l'homme fort. They are under the influence of a strong man. Et ce n'est que le pouvoir et la puissance ancestrale. It's only the power from the ancestors. Mais comment tu peux comprendre une famille de 9 personnes, personne avant? How come we can understand a family with 9 people, no one good for? Dans une famille, toutes les femmes tombe enceinte et personne n'est marié. And each and every family, all the women are pregnant, nobody's pregnant. Et ceux qui sont mariés, c'est pour quelques années, ils finiront qu'à rentrer à la maison. And those who are married about a few months, then they're going out. Les hommes ne font absolument rien, malgré leurs études, malgré leurs diplômes et leurs certificats, ils n'ont rien à montrer. In spite of their degrees, men cannot do anything.
Il y a un homme fort. There is a strong. Et pour réussir à sortir, faire sortir ta so tête. To come out and put your head up. La clé, il faut d'abord paralyser et vaincre l'homme fort. The key, you need to paralyze and overcome that strong man. Trois, l'homme fort c'est qui? Three, who is the strong man? C'est le gardien satanique de tes biens. He is the evil gardener of your goods. C'est le gardien qui garde tes biens. It's a gardener who take care of your goods. Un jour Daniel a prié. One day Daniel was praying. Le Dieu du ciel a écouté sa prière. God of the heaven heard his prayer. Il a répondu à Daniel. In answer to Daniel. Il a envoyé la bénédiction. He has sent a blessing. Malheureusement, il a fait un they were strong men. Il a stoppé la bénédiction de Daniel. Stop Daniel's blessing. Cela n'a pas pu atteindre Daniel. And couldn't reach Daniel. Qui est l'homme fort? Who is the strong? C'est le gardien. Is the gardener. Qui garde tes enfants. Keeping your children. Qui te dit que tu ne mettras pas au monde. Saying that you cannot give birth. L'homme fort, a strong man, c'est celui qui garde ton travail. It's not keeping your job. Et qui te dit que tu ne vas pas avoir du travail. Telling you that you cannot have a job. Mais aujourd'hui, and tonight, permission ou sans permission, permission or not, l'homme fort va libérer tes biens. That strong man will lead your goods. C'est ta manière de dire amen qui me tombe. Je dis l'homme fort va libérer tes biens. That strong man will lead your goods. In the name of Jesus. Quatrième et dernier, and the fourth one, l'homme fort, a strong man, c'est le pharaon qui ne libère pas facilement ses esclaves. Is the pharaoh that doesn't release easily the slaves. L'homme fort n'est pas comme tous les autres démons. It's not like any kind of demon. Il y a des démons faciles à changer. There are demons easy to cast away. Et je crois que tu ne peux pas me dire le contraire. But I say you cannot say me against. Des fois quand on a des délivrances, sometimes when God delivers, il y a des esprits, there are spirits, en plein de délivrance, during the deliverance, qui répond à l'homme de Dieu. Answer to the man of God. Malgré l'autorité de l'homme de Dieu. In spite of the authority of the man of God. Sors, libère ce corps. Out, release the body. You will hear say, I'm not going to go out. It belongs to me. It belongs to me. I'm not going to leave. Chaque fois que tu écoutes cela. Each and every time you hear that. C'est lui qui te parle. The one who speaks. C'est l'homme fort. Is the strong man. De cette vie. On that last. Parce que l'homme fort. Because the strong man. Ne libère pas facilement. Does he release. Il est le pharaon. He's the pharaoh. La seule chose qu'il comprend. The only thing he understood. C'est la force. Is the power. C'est pourquoi la Bible dit. That's what the Bible pour que l'homme fort. In order for the strong libère man. Libère les biens. To release the goods. Il faut quelqu'un plus fort que lui. He needed a strong man stronger than him. C'est pourquoi la Bible dit livre d'Apocalypse. That's what we read in Apocalypse. La Bible dit. The Bible says. Ils l'ont vaincu. They have overcome. À cause de cause of the blood of the Lamb. Mes amis, Israël était sous le contrôle de l'homme fort. We're under the control of the strong man. Israël était sous la domination de l'homme fort. Israel was under the domination of the strong man. Mais selon la prophétie, and according to the prophecy, Dieu a parlé à Moïse. God spoke to Moses. Je te bénirai. I will bless you. Je rendrai ton nom grand. I'll make your name. Tu seras le père de multitude. You'll be the father of the nations. Tes enfants seront comme des étoiles. Your children are going to be like stars. Ils seront comme le sable de la terre. They'll be like the sand of earth. Je dis. But God said, cette postérité, this offspring, un jour, one day, sera esclave, will be slave, dans un pays étranger, under the foreign land. Et ils vont passer 400 ans d'esclavage. They'll spend 400 years of slavery. Papa, tout cela me dit ceci. Je comprends ceci. That's what I understand. Dans la vie de l'homme. Into somebody's life. Nous avons trois sources de souffrance. We got three sources of suffering. La première source de la souffrance, the first one, ce sont les erreurs. Those are mistakes. Quand quelqu'un commet les erreurs, when somebody made mistakes, la souffrance vient. The suffering comes. Pour sortir de cette souffrance, to go out of the suffering, conseil gratuit, free advice, corrige tes erreurs. Correct your mistakes. Deuxième source de souffrance, the second source of suffering, ce n'est pas les erreurs. Those are not the mistakes. Mais c'est le diable lui-même. But it's the devil himself. Il entre et il récupère par force. He's entering and take back by force. Alors pour que cette souffrance se termine, so the suffering to end, il faut un homme plus fort que lui. He needed the strongest man. Mais la troisième souffrance, and the third suffering, ce n'est ni les erreurs, not either the mistakes, ni Satan, or the devil, mais c'est Dieu lui-même. But God himself. Dieu a dit. God said. 400 ans. 400 years. Israël pouvait pleurer. Israel could cry. Il pouvait gêner. He could fast. Dieu attendait 400 ans. God was waiting for 400 years. La Bible dit. The Bible says. Après 400 ans. After 400 years. Dieu est descendu. God came down. Dieu dit à Moïse. God said to Moses. J'ai entendu les cris. I've heard the cry. Je suis descendu. I came down. Libère mon père. Release my people. Moïse était équipé par le Seigneur. Moses was equipped by the Lord. Dieu lui a donné un bâton. God gave him
surnaturel. Et super. Listen, gospel. Ne consiste pas seulement dans la parole. Not only to the word. Paul a dit. Paul said. L'évangile que je vous prêche. The gospel I'm preaching. Ça ne se passe pas par les paroles. Mais l'évangile. The gospel que je vous prêche. I'm preaching. C'est se passe par la démonstration. C'est la puissance de Dieu. La salle of God. La salle qui nous tue est en laïoté. I don't need to know what this guy. La salle of God. Oh,
you. Thank you.